Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer proprement et en profondeur, c'est le cas de le dire, un clavier d'ordinateur. Donc pour bien nettoyer un clavier en profondeur, il va vous falloir un petit tournevis comme celui-ci, donc plat. Donc déjà, je vous signale, ça n'abîme absolument pas le clavier, c'est fait pour. Donc vous allez prendre une touche au hasard. Vous allez mettre votre petit tournevis entre deux touches. Vous allez doucement faire levier. Et, magie, votre touche va venir. Donc, vous allez faire ça avec plusieurs touches. Donc, toujours délicatement. Parce que si vous le faites fort, bah, ça vous saute à la tête. Voilà, donc vous faites ça avec toutes vos touches. Après, donc quand il n'y a plus aucune touche, vous aspirez. Comme ça, il n'y a plus rien. Ensuite, vos touches, comme on les nettoie bien. Donc ça, je vais vous montrer. Donc pour bien décrasser vos touches, donc on va faire ça sur nos trois touches de démonstration de tout à l'heure. Donc vous, bien sûr, vous allez le faire avec toutes vos touches, hein. Donc, vous prenez toutes vos touches dans la main et vous faites comme ça après, hein. Mais là, je vous monte avec trois touches. Donc, vous les mouillez un petit peu. Ensuite, vous mettez un petit peu de savon. Et, comme si vous vous laviez les mains, vous frottez. Voilà, donc vous insistez bien sur le côté où vous posez vos doigts, c'est-à-dire où s'écrit la lettre. Une fois que vous avez bien frotté, vous rincez bien pour pas qu'il y ait de traces de savon. Et bien dans les creux, voilà. Une fois qu'il n'y a plus du tout de savon, donc vous les égouttez. Une fois que vos touches sont égouttées, vous les séchez bien avec une petite serviette ou un chiffon, ou vous les faites sécher à l'air libre, n'importe. Mais vous faites bien attention que dans le creux qui sert à l'enclencher, il n'y ait pas une goutte d'eau qui soit restée cachée là. Parce que il se peut, c'est pas sûr, hein, mais si elle tombe correctement dans votre clavier, bah, ça peut faire griller votre clavier. Ce sera un peu embêtant. Ou juste la touche. Alors là, bonne chance, parce que ça doit être vraiment énervant d'avoir tous vos claviers qui marchent, mais de le changer pour une seule touche. Voilà, donc ensuite, quand toutes vos touches sont bien sèches, vous les remettez comme il faut. Donc, je vais vous donner une petite astuce, si c'est possible. Donc pour pas vous tromper de touche, ce serait bête. Donc vous prenez un autre clavier. Donc là, après le U, nous avons IOP. Voilà. IOP. Parce que bon, si vous inversez vos touches, c'est pas terrible, il va falloir les remettre. Donc après le U, on a le I. Donc vous l'enfoncez doucement la touche, hein. Pas besoin de forcer, normalement ça rentre à peu près tout seul, voilà. Ensuite le O, ensuite le P. Voilà. Donc, pour qu'il soit bien tout propre, tout neuf, vous faites ce que je vous ai montré avec toutes vos touches. Bon, ça peut être un peu long, mais au moins votre clavier il sera impeccable, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de miettes sous les touches qu'on n'arrive jamais à retirer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, et à bientôt.